Notre reportage commence ici, dans le centre de la Corse, près de Corté. Le 6 juillet dernier, cette décharge illégale a fermé ses portes. Pourtant, l'endroit reste très fréquenté. Il y a pas mal de gens qui viennent récupérer des trucs. Oui, il y a pas mal. Surtout le samedi et dimanche, ça vient toujours. Il y a des gens qui viennent récupérer les choses, et descendent à Bastia et le vendent. Ah ouais? Oui. Et vous pensez qu'il y a pas mal d'argent là? Normalement, oui. Combien d'argent? Impossible de le savoir, mais ce jour-là, les voitures ne vont pas cesser de défiler. Ce petit trafic n'est pourtant que la partie émergée d'un iceberg financier, le poubelle business. Un business que Xavier Paul y connaît sur le bout des doigts. Cet élu cortenais est vice-président du CIVADEC, l'organisme qui gère les déchets. Il va nous expliquer les vraies données économiques du problème. Elles sont simples. Transporter et traiter des ordures coûte très cher. C'est pourquoi les collectivités confient ce service à des entreprises privées, sans toujours être sûrs du résultat. On l'a vécu, nous, ici, pour le tri sélectif. Il y avait une entreprise en Corse qui faisait ça, donc on a travaillé avec elle. Résultat des courses, un prix important, et deux, un service mal rendu. Il faut dire que l'entreprise en question était seule sur ce créneau très lucratif. Du coup, le CIVADEC a défini sa politique. Pas de monopole et un contrôle public du marché. On a mis la main dans le cambouis et on est content de l'avoir mise parce que si nous n'avions pas mis de nous, personne ne s'en serait chargé de ce problème. Mais on vous a mis des bâtons dans les roues. Évidemment. Mais nous, à partir du moment où on a une politique claire vis-à-vis des collectivités partenaires et vis-à-vis de l'État, qu'est-ce que vous voulez qu'on risque? C'est simple. Il y a quand même des mouvements souterrains dans la gestion des déchets. On ne parle pas seulement de marché. C'est bien pour ça que je dis que la gestion des marchés, à partir du moment où elle reste publique, c'est quand même une garantie de se prémunir contre certains appétits. Un appétit qui permet de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Pour savoir comment, il faut prendre la direction de l'université Paris 10 Nanterre. Dans ce petit bureau, Nadine Levrato planche sur la question. Elle y a même consacré ce livre. Pour cette universitaire, la prospérité de certaines sociétés corses du secteur ne doit strictement rien au hasard. Pour résumer, je retiendrai trois grands traits. Un chiffre d'affaires qui est proportionnellement plus élevé par rapport à leurs entreprises semblables sur le continent, qui s'explique par le fait que le prix à la tonne payé à ces entreprises est plus important. Ensuite, des coûts salariaux plus faibles, puisque les ouvriers, les employés de ces entreprises sont relativement moins payés que dans les entreprises continentales. Et enfin, des subventions, notamment liées à la continuité territoriale, qui viennent augmenter le chiffre d'affaires de ces entreprises et leur donnent une base de réalisation de profit qui est très confortable. Très confortable, mais attention, car au royaume des déchets, ce fameux profit n'est pas vraiment partagé. À l'échelle locale, si on regarde la structure du marché, on voit que ce petit marché périphérique est dominé par 4-5 acteurs qui tiennent le marché et tous les autres, dont la situation financière est d'ailleurs bien moins florissante, vont jouer aux franges, aux marges de ce marché. Et si les places sont aussi chères, c'est parce que le marché local des déchets se chiffre à 30 millions d'euros par an. L'équivalent de 22 500 SMIC, un jackpot entièrement financé par le contribuable. Bienvenue à Pontelletche. Il y a un an, Colette Castagnol y bataillait contre un projet d'incinérateur dans la région. Elle se passionne aujourd'hui pour une toute autre histoire, une histoire de gros sous. Et ce qu'elle a découvert est très révélateur. Regarde, je me suis amusée à comparer, puisqu'on a changé de système de tarification pour la perception des impôts sur les ordures ménagères. Donc en 2007, on avait le système de la redevance. C'était un forfait. Pour une année, on a payé 86 euros, donc pour l'année 2007. Surprise, cette année, la facture est passée à 274 euros, trois fois plus. Et ce n'est pas tout. Colette a fait ses comptes. En 15 ans, le prix de la collecte des ordures ménagères a été multiplié par 10. Pour un service identique. Le problème s'est posé ici aussi en Balagne. Lorsque le transporteur local a subitement augmenté ses prix, la communauté de communes d'Île-Rousse a décidé d'acheter deux bennes pour assurer elle-même le service. Économie pour le contribuable, plus de 100 000 euros,
Un excellent calcul pour Hyacinthe Mattei, le président du bassin de vie d'Île-Rousse. Pourtant, lorsqu'il évoque ce dossier, la gêne s'installe. On le fait parce qu'on est, contraint et que c'est, il faut que le service public soit assuré. Hein. Donc, et on n'a pas d'autre solution. Si on avait eu peut-être un autre opérateur, on aurait peut-être choisi cette solution. Mais là, on est bien ici en Balagne. On n'a pas. Bah écoutez, tous les appels d'offres qui ont été lancés, que ce soit par la communauté de communes ou par le CIVADEC, il y a toujours eu un seul opérateur qui a répondu. Hein, donc, local. Un opérateur local, oui. Ce que l'élu ne dira pas, c'est que l'entreprise évincée, furieuse d'avoir perdu le marché, a bloqué le quai de transfert pendant plusieurs jours. Marché captif, peu de concurrence et des prix qui flambent, c'est l'équation que doit résoudre le CIVADEC. À la tête de ce syndicat de communes, François Tati, pour négocier à la baisse avec les entreprises, il a sa propre recette. C'est tout le problème du marché local, qui jusqu'à présent était trop étroit, pour pouvoir créer une concurrence. C'est vrai qu'à partir du moment où on a rassemblé les déchets de près de 200 communes, mais tout de suite on a des flux suffisants pour organiser une certaine concurrence. C'est ce que j'explique d'ailleurs aux entreprises quand parfois il m'arrive de les rencontrer lorsque elles disent qu'on est trop exigeant, etc., et que le marché auparavant il était plus intéressant, etc. Je leur explique que si elles travaillent bien, elles gagneront plus d'argent parce qu'il y aura plus d'activités. La carotte plutôt que le bâton, cela n'empêche pas les projets privés de se multiplier en toute discrétion. Ici, sur ces terres agricoles de Palasque, en Balagne, un centre d'enfouissement d'ordures ménagères devait voir le jour. Comme le montre ce document que nous nous sommes procurés, c'est un organisme public, la SAFER, qui a bloqué le projet en préemptant le terrain. Qui est capable d'investir des millions d'euros sur ce marché? Malgré notre insistance, 3 entreprises seulement nous ont répondu. Et quand nous leur avons expliqué l'objet de notre reportage, une seule a accepté de nous recevoir. Il y a 10 ans, François Franchich y a démarré son activité avec une simple benne dans le Fiumourbe. Aujourd'hui, il gère 2 petites sociétés et quand on l'interroge sur le silence de la profession, voici sa réponse. Ça, il faudrait peut-être leur demander à eux, mais bon, moi je veux jouer cette transparence. Je veux dire, n'importe qui peut venir voir. Voilà, c'est clair, quoi. Je veux dire, on ne fait rien d'exceptionnel ou on fait, je veux dire, on fait que du traitement de déchets. Rien d'exceptionnel et pourtant François sera le seul à nous expliquer le fonctionnement de ces installations. Il y a investi beaucoup de temps et d'argent, plus de 700 000 euros. Les premiers profits dans une dizaine d'années au mieux. En attendant, il veille à ce que ces infrastructures soient aux normes car il va se livrer à une confidence aussi sincère que surprenante sur les pratiques du secteur. Il nous faut peut-être encore un peu de temps pour bien être au point. Au niveau collecte, au niveau traitement, bon, ici on a essayé de faire des efforts, mais on n'est pas encore bien au top. Mais ça va venir, on s'y emploie. Qu'est-ce que vous voulez dire par on n'est pas encore au top? Mais au top, par la qualité du traitement, par les points législatifs, partout. Contrôler ces sociétés, c'est le travail de l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement. Au siège, à Ajaccio, les inspecteurs du service effectuent 100 de contrôles par an, bien plus que sur le continent, nous dit-on. On peut faire soit l'inspection en avertissant l'intéressé qu'on va venir le voir tel jour à telle heure, souvent c'est une 8aine de jours avant. Mais on peut très bien décider d'aller faire une inspection inopinée. Nous disposons d'une carte qui nous permet d'entrer sur tous les sites classés. Malgré ces inspections, l'administration peut parfois se montrer compréhensive. En juin 2007, l'État a ainsi validé ce projet de quai de transfert de déchets près d'Ajaccio, malgré un volet sanitaire jugé insuffisant. Si le projet a échoué, c'est sous la pression de l'opinion. Quand les contrôles ne suffisent plus, c'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement qui entre en jeu. La cible et les entreprises qui dopent leurs profits en se débarrassant illégalement des déchets, une criminalité en pleine expansion. Vous pouvez avoir, dans nombre de cas, des entreprises qui ont pignon sur rue, qui peuvent, par opportunisme, parce qu'ils ont un problème ponctuel qui peut se comprendre en période de crise, essayer d'évacuer le déchet comme cela. Vous pouvez avoir aussi des entreprises créées
pour la circonstance, c'est-à-dire qu'ils vont vivre simplement le temps de monter une opération qui permettra de gagner beaucoup d'argent. Et puis, vous pouvez avoir une organisation style mafieux qui sera vraiment ancrée dans la délinquance, mais qui va chercher l'apparence de la légalité, l'apparence d'honorabilité. Au QG de ce service de Pointard, accueil en banlieue parisienne, 42 personnes couvrent l'ensemble du territoire. Sur la carte des affaires traitées par l'office, des épingles plantées dans toutes les régions françaises, mais pas encore d'enquête en Corse. Retour dans l'île vers le sujet tabou de cette enquête. Le 16 janvier 2009, Jean-Marc Nigolaï est abattu à Ajaccio. L'ancien maire du village de Casalabrive était un spécialiste des déchets, une piste privilégiée par les enquêteurs. Pour preuve, ils ont entendu discrètement plusieurs responsables publics et privés d'un marché des ordures décidément très convoité. À ce jour, les investigations sont au point mort. D'après les estimations, faute de solutions rapides et efficaces, la Corse ne pourra plus traiter ses déchets d'ici 4 à 5 ans. Un enjeu qui dépasse de loin la seule question environnementale. Il y a tout à faire, donc c'est maintenant qu'il faut créer toutes ces filières. Après, chacun voit son investissement comme il entend. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un embryon d'économie et que tout d'un coup, vous avez un afflux important d'argent, eh bien, vous savez très bien que si vous ne prenez pas garde, eh bien, demain, vous ne maîtrisez plus la manière dont cet argent est utilisé et qui rend le service public. Les criminels recherchent toujours les niches qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent, où il y a de faibles risques de détection et où il y a des faibles risques de sanctions. Il y a tant d'argent que ça à prendre ? Mais bien sûr qu'il y a de l'argent à prendre. Ce sont des marchés d'avenir. Storia